J'espère que vous allez bien. On se retrouve avec du monde en multijoueur. Kardec qui vient nous rejoindre en premier. Il y a bien sûr Julien qui va arriver prochainement et d'autres viewers qui vont arriver prochainement. nous avons passé la carrière en bretonne du coup en multijoueur sur un serveur crossplay. Normalement, on essaye du moins. Les consoles sont en train d'essayer de se connecter dans mon chat. C'est en train de voir qu'est-ce qui débloque. On a enlevé quelques modes pour laisser la place à tous les joueurs. On a enlevé tout ce qui était DLC aussi pour laisser le maximum de joueurs venir. Le seul problème, c'est qu'on a les missions qui sont corrompues. Les missions sont corrompues de ouf. Donc on pourra pas faire de mission. Mais ça empêchera pas qu'on va pouvoir démarrer. Julien vient d'arriver. C'est bon, la synchro elle est passée. Kiradek est là. Il nous reste 124 000 euros. Il y a un peu de crédit. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va louer une moissonneuse. Alors, je vais pas vous louer la plus rapide de guerre. Y a pas d'objet en occasion en plus, fait chier. Du coup, on va louer une petite moissonneuse. C'est pas grave, on s'en fout. C'est juste histoire de dire louer. Hop, ça nous coûte 3 000 $. On va récolter mon sorgho pour pouvoir couper les arbres derrière. On va en profiter qu'on est en multi pour pouvoir. Je vais aller chercher. Vas-y, chope là. Tac, tac. Et ça va être impeccable. Et salut, super loup. Hop là. Nice. Nice, nice, nice. Et comment tu vas, super loulou? Du coup, derrière, Julien fera... Julien, ouais, il est déjà tronçonneuse à la main. Julien, tu peux peut-être essayer de voir si tu peux pas faire tomber ces deux-là, là. Ceux qui sont dans la maison, là. Enfin, les trois, même. Les trois qui sont dans la baraque, là. Ici, là. Juju, viens voir. Ouais. À ta droite. Et merci pour le follow, Diffu. Merci, merci. Eh ben, écoute, ça va bien. Ça va bien, moi. Tiens, viens là. Celui-là, là. Ces trois-là, là. Tu fais attention au linge de la femme, hein, parce que si t'abîmes ses petites culottes, elle va pas être contente, hein. derrière, on aura toujours comment ça s'appelle? Mon petit foin à faire. Oh, il est parti le farm pack. Ma maison modée là. Merde, elle est partie aussi. Oh, mon point de vente, il a disparu. J'ai plus le point de vente. Je suis dégoûté. Putain, il va falloir qu'on fasse gaffe. Il va falloir qu'on. C'est quoi le numéro de temps que je dois récolter? Le 32. Bon, toi, ça va, il est au bord. Il est au bord. Bah du coup on va s'en profiter pour faire le foin rapidement. Du coup on a une perte financière d'environ 300 000 euros. Voilà, ça a piqué hein. Mais bon, ça permettra de jouer avec tout le monde et de refaire le pack avec tout le monde. Salutations à toi. Ça va? Ça va bien et toi hein? La forme? Oui, ça faisait un petit bail que j'étais pas passé du coup. Ouais, c'est pas mal. Passe, qu'est-ce que tu racontes de beau? Je vais peut-être remettre le volant moi. On a un épisode hein. Un épisode YouTube, on est sur le serveur communautaire farming. Et je suis en train de foutre le bordel sur mon bureau. Laissez-moi tranquille! Hop là! Comme d'habitude. Comme d'habitude. Je fous le bordel. Je suis en train d'équiper le volant. Attends, bouge pas. Tac! Je récupère mon volant sur la route. Il doit y avoir un mode qui bloque les consoles. Je trouve d'autres serveurs avec la carte. Ah, bah alors. Putain, il va falloir que je regarde ça comment. Bonne question. J'essaierai d'y regarder du coup. Je vais essayer d'y regarder d'un peu plus près. Je vois pas quel mode qui peut. Enfin, quel mode qui pourrait bloquer en cross. Là, normalement, on a tout viré. Le mode patinage. Ah, le mode patinage, tu crois que c'est le mode patinage qui bloquerait? Oh, ça fait chier si c'est le mode patinage. Parce que le mode patinage, je l'aurais bien gardé. Le REA, vous l'avez pas disponible sur console? On l'a pas celui-ci. Ah, vous l'avez pas le mode patinage là? Le REA, les 3 REA avec le. La destruction des cultures en patinage, vous l'avez pas? Oh. Oh putain, si j'enlève ça, c'est chaud quoi. Fait chier. C'est ça qui est marrant. Ouais. J'arrive, Julien. Je viens de poser la benne là, dans le truc. Bon, okay. Je vais repasser un peu plus tard. A plus, James. A plus, James. REA, je pense pas. Bah, vérifiez les consoles, là, dites-moi. Parce que franchement, ça me ferait chier de l'enlever. Ça me ferait vraiment chier de l'enlever. Parce que ça reste un mode où tu te full RP. Enfin, full RP. T'es un chouille marrant, quoi. Donc, je l'aurais bien gardé sous le coude. Ouvrir les portes. Alors, est-ce qu'on peut mettre le bois dans la remorque comme ça? Si je fais ça, là. Alors, on n'a pas la super force, hein. On a désactivé les idev. Ouais, tu peux mettre le bois dans la remorque. Donc, tu peux t'occuper de ça, Julien, si tu veux. Ok. Comme ça, je t'ai ouvert le truc. J'ai dételé, c'est impeccable. Ouais, je peux me barrer. Nickel. Comme ça, moi, je peux aller... Ah, par contre, putain, on n'aura pas la remorque pour le grain. Merde. On n'aura pas la remorque pour le grain. T'as un silo ou quoi? Je peux regarder. J'ai même pas un silo. J'ai même pas un silo, c'est ça le problème. Bah ouais, moi je suis pauvre moi. Début de carrière, tu sais, à rien. Un silo, bah il va falloir acheter un silo alors. Putain, ça va nous coûter une fortune un silo. Bah achète une
Ouais, ça fait deux remorques, mais il faudrait la jouer intelligemment. Ou sinon, on achète la remorque pour le transport de balles, qui fait transport de balles et remorque en même temps. Ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être sympa. Attends, je réfléchis. De toute façon, ça va être Adolis. Hein. On va se faire chier, les gars. La Brantner, ça c'est la petite Brantner. Ah, c'est pas la petite qui le fait, c'est la moyenne. Chaque fois, je me vote. Voilà, c'est celle-là. Ouais, bah écoute, on va prendre celle-là. Hein. 22 000 litres. Hein. On va la prendre en extension. T'as rien en occasion. 34 000, non, il y a que dalle en occasion. Ça a reset tout ce que j'avais en occasion. Bon, là-bas, c'est une option, on s'en fout. Ah, ça fait 44 000. 44 000 pour une deuxième remorque. Ça fait cher. Où on la loue ? Elle n'a pas trouvé. Ah, bah c'est ça qui vous bloque les points. Plus petit. Bah si j'en loue une, oui en plus petit. Honnêtement, Sorgo, si tu veux avoir, t'auras pas 10 000. Bah si t'arrives à tout rentrer dans la trémie, sinon on le vend en direct. Hein. Non, là je suis déjà à 80 pour. Eh ben vidéo poule déjà, au pire. Bah de toute façon non, mais ça reviendra au même parce que le Sorgo je l'avais fait pour les poules. Les poules, il y a de l'espace dans les poules. Je crois pas. Je crois que je les avais blindés. Non, ils sont. Bah, il reste un peu, mais pas grand chose. Il reste 3000 litres, je crois. Il reste vraiment pas grand chose. Ça, il va nous falloir un silo. Hein. Ça va être un chou obligatoire à un moment donné. Ce qui fait chier, c'était de le dépenser maintenant. Surtout que là, bah, du coup, les silos, on va pas avoir grand chose sous la main. Ouais, non, mais si, on va prendre. Tu sais quoi, on va prendre la toute petite. Celle à 11 000, là. On va se démerder avec ça au démarrage. Ou sinon, la classe à 17 000, quoi. La carate. On la prend sans l'extension, on la prend en standard. Elle a 12 000 litres, ça tiendra le sorgho et on s'en servira pour nourrir les animaux. Ça peut être pas mal. Oui, ça peut être très bien, à 17 000, ça va être très bien. Ouais. Allez hop, je vais te chercher ça en magasin. Ouais, je t'attends. En plus, je suis con, j'ai pas regardé dans les modes. Putain, je l'ai acheté direct, mais j'ai pas regardé. Bah, dans les modes, t'avais l'autre que t'as déjà toi. La brochard, ouais. Ah, les brochards, elles sont pas dégueulasses, hein. Je les aime bien. Moi. Non, elles sont sympas. On va aller chercher ça vite fait. Bonne nuit, mon petit Jet. Bonne nuit, bonne nuit. C'est vrai que j'ai pas regardé dans les brochards. Waouh, je viens de me faire défoncer en regardant mon chat. Allez, zou. On est reparti. Stack. Derrière, donc Julien est au bois. Karadek qui est à la récolte. Il faudra qu'on avance une journée pour l'autre côté. Apparemment, Florian est toujours emmerdé avec, avec le code pour rentrer dans le Discord. Et les consoles peuvent pas rentrer à cause du RER. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Parce que bon, le but de cette carrière, c'était quand même d'avoir le REA pour avoir un peu de patinage, un peu de destruction de culture. Si on commence à désactiver tout, on va être en full vanilla, quoi. Ça va être chiant. Honnêtement, je préfère le REA. Bah ouais, moi personnellement, j'aime bien aussi. C'est mon avis. Je n'ai que mon avis. Les consoles, je vais être désolé, mais du coup, je vais pas pouvoir vous prendre avec nous. Du coup, ce qui va me permettre de remettre tous les modes, peut-être me faire réapparaître. Mes maisons et tout ça. Kardec, t'as tous les modes, toi. Juju, je sais plus si Juju qui avait pas tous les. Ouais, on aura essayé. Ouais, j'aurais tenté. Ouais, moi je voulais Juju. Je me rappelle plus s'il est sur console ou s'il est sur PC. Putain, je vais y arriver à parler. Epic. Ah, il est sur Epic Game. Ah ouais, t'as juste pas les DLC, toi. Donc t'es sur Epic Game, donc tu peux avoir n'importe quel mode. T'as juste pas les DLC, ok. Donc, juste la J-Pack qui est gratuit. T'as zéro DLC, Juju, ou t'en as quelques-uns quand même sur le côté droite à gauche? T'as même pas un Season Pass 1 ou un Season Pass 2, quoi. Zéro, ok. T'as, il faut les prendre, là, ça coûte rien, là. Tout le Season Pass, il est à 15 balles, je crois. Les deux Season Pass sont à 15 balles, je crois. Trois et tout le coup. C'est récolté, là? Tu peux rouler? Ouais, c'est bon. J'ai eu un moment d'hésitation, j'étais pas sûr. Non, rentre. Là, par contre, sur ta gauche, c'est pas. Ouais, j'ai vu, ouais. Mais de toute façon, je vais te laisser le. Je vais laisser là, je vais aller voir Julien là-bas, comment il se passe. Ça, c'est bon. Juju, t'en sors? C'est bon? Ouais, ok, donc t'as des petites noisettes, tu vas les mettre dans la remorque. La remorque ouais. Est pas trop loin, non? Je préférerais peut-être l'avoir. Ouais, bah ouais. Ouais, mais le problème, c'est que je vais le faire sur la route. Si je la mets sur la route, moi, il faut que je passe là-bas pour travailler de l'autre côté. Bonjour. Et bonjour, bonjour. Parce que moi, de l'autre côté, j'ai un peu de taf. Donc je vais laisser la remorque dedans à Karadek. De toute façon, il va nous falloir un tracteur à un moment donné, c'est sûr. J'avais pas envisagé mon scénario comme ça. Bon, c'est pas grave, on va se démerder. Hop là. Donc la carotte, c'est bon, ça c'est bon. Moi, je vais aller endainer vite fait le champ d'herbe. Ce qui permettra à quelqu'un de presser après. Ce qu'il faudrait, c'est d'avoir peut-être un petit tracteur supplémentaire à la ferme. Ce serait pas dégueulasse. Et du coup, si on prend pas les... Si on prend pas en multijoueur les consoles, je pourrais réactiver les modes qui étaient désactivés en fait. Je pourrais remettre le all mode complet quoi.
Sauf les DLC, bien sûr. Parce que DLC, du coup, on serait niqué. Ça, c'est l'endener, ouais. Ah, c'est la presse, oui, il faut que j'aille chercher la presse qui est au magasin. Ah, super. Bien. Alors, bonsoir, j'aurais besoin d'aide. J'ai essayé d'inviter un ami en mode multijoueur en ayant bien installé tous les mêmes potes sur King. Je peux pas rejoindre. Vous êtes sur quelle plateforme? PC? Console? Qui peut pas rejoindre, c'est étonnant. PC tous les deux? Donc PC tous les deux, déjà, ça restreint les problèmes. T'es sur quoi? Serveur? En multijoueur hébergé? Salut, qu'attendez-vous? Qu'attendez-vous? Avec impatience, Farming 25. Oh bah Farming 25, pour l'instant on attend surtout des images du gameplay, je crois. Hein. C'est surtout ça qu'on attend. Hein. Parce que bon, la nouveauté du riz et des épinards, c'est marrant, mais on attend surtout quelques gameplays. T'sais. Multijoueur, jeu de base. Ok, donc t'es en multi hébergé chez toi en fait. Donc ça peut venir de plusieurs problèmes, mon petit Arakno. Regarde si t'as déjà, si t'es bien en multijoueur, si t'as bien activé tes ports et tout ça, que t'as pas grossi plus haut que ta connexion, tu vois, t'as des paramètres de connexion serveur à mettre. Regarde si t'es bien hébergé en local Europe, si t'es pas mis en international, tu vois, parce que ça peut arriver. Et derrière, normalement, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Des fois, les recherches sont longues et chiantes, c'est farming, hein, ça arrive. Mais normalement, ça devrait faire le café avec un peu d'assistance. C'est pour ça que nous, on loue des serveurs. On a beaucoup moins de problèmes dans les recherches. Quoi. Le multijoueur, mais pas des noms compliqués. Regarde si lui, il n'a pas activé le mot de passe et toi, tu l'as désactivé, par exemple. C'est regarder les filtres de ton pote là qui veut te rejoindre si ça marche pas. Les filtres, des fois, les pré-filtres changés, bah, des fois, ça fout la merde. Regardez ça et normalement, vous êtes censé pouvoir trouver, quoi. Parce qu'au pire, il va avoir le nom de la partie, mais s'il n'a pas les mêmes modes, il va pas pouvoir rentrer. Il va voir au moins le nom de la partie. Parce que sur PC, c'est moins emmerdant que console. Console, des fois, c'est un peu plus chiant pour trouver un serveur PC, on va dire. Serveur dédié PC, c'est un peu plus chiant. 6600 litres. Ouais. 6600 litres. Et bah, ça sera toujours ça de prix. Ça sera impeccable. La pose à la ferme, la ouais. Batteuse. Ouais, ouais. La batteuse, ouais, parce qu'on va avancer 24. Bah, attends, parce qu'au pire, si Julien, ça le dérange pas, on avance 24 heures. Hein. Comme ça, t'auras la récolte de l'autre côté, là, dans le 37 à faire. Bah attends, je vais me positionner où? Ouais, positionne-toi directement dans le 37. On retravaillera les champs ensemble, hein, tant pis. On aura pris 24 heures de retard sur celui-là, mais on sera pas trop en décalé. Je vais juste ramener la benne. Bon, on va re-remplir alors ça. Alors le petit, il est en bord de fond. Ouais, tu continues, tu rentres dans le 36 et tu passes dans le 37. Tu longes la route et... De toute façon, il va y avoir une route qu'on va construire. Je vais acheter le champ de luzerne au milieu, là. Je vais construire une route pour aller au fond directement, pour couper la map en deux, là. Voilà, construire après par le temps. Parce qu'elle est pas pratique de passer avec du grand matériel. Enfin, du matériel un peu large, elle est pas pratique la route. Tu vas voir. Elle a un chou chiant. Et on va avancer 24 heures derrière. Ça va pas être dégueu. Poser la benne là-dedans. 6000 litres, ça va nous faire quoi? Ça va nous faire 6 mois même pas. Faut pas nous mettre long. Là, du coup, j'ai perdu mon rendement. Rendement 4. Tourne. Là, normalement. Voilà. Je suis trop avancé. Là, c'est voilà. Est impeccable. T'es au champ. Bah attends, je vais avancer 24 heures. Comme ça, tu vas pouvoir récolter direct. Attention, ça va donner le top départ dans 3, 2, 1. Hop là, on fait dodo. Jusqu'à 8 heures le matin demain. Disons pour regarder. Ouais, je vais essayer d'y regarder. Ouais. Voir si on tombe pas sur un truc intéressant. Par contre, alors, on a perdu de la thune. Quoi, il est encore en cours. Il est encore en cours de croissance. Putain, mais. Par contre, il est mauvaise herbe. Ouais, 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 ça je sais. Ça, je savais qu'il était en mauvaise herbe à mort. J'ai pas eu le temps de le. 37. Il est au dernier stade, ouais. Ouais, il est au dernier stade, ouais. Chier! Sinon, je le fous sur le côté, la moissonneuse. Bah, ça fait chier de garder la moissonneuse 2 mois, en fait. Mais, promotion. Dépression. Ouh, il y a de la promo qui a apparu, là. Ah, bah là, voilà. T'as ta classe. Bah, ouais, là, ça pourrait être pas mal. On a même. On a même les pandeurs à chaud à moins 40%. Je remonte la moissonneuse. Mmh, ouais, ça peut être pas dégueulasse, ouais. Tu peux la remonter là-haut, ouais. Bah non, tu peux l'enlever en fait. Tu peux l'enlever complètement. Ah, bah, ah oui, merde, faut que je te mette les droits. Du coup, ça c'est les pandeurs à chaud, mais je sais pas si ça vaut le coup de le prendre maintenant, sachant qu'on l'a... Non, si, c'est bon, j'ai le droit. On l'a sur le... Ah, attends, je les te donne... Les pandeurs à chaud, tu l'as. Ouais, je l'ai sur le même épandeur d'engrais et chaud, quoi. Et je trouve pas ça très RP, et puis il est très petit en fait en capacité, tu sais. Le Kneverland, là. Ouais, le Kneverland, ouais. Il est petit en capacité chaud. Hein. Il est vraiment petit, quoi. Je sais pas si ça vaudrait pas le coup quand même de prendre l'autre, quoi. Location, du coup, attends, je te l'enlève. Rendre. Il faut acheter la barre de coupe. Il va falloir acheter la barre. Ouais. Ouais, ça peut. Ah, t'es dedans, ouais, je peux pas le... Attends.
Vas-y, je suis descendu. C'est laquelle qu'on a pris en classe là? Parce que du coup j'en ai 50 000. C'est la petite. Voilà. Rendre. C'est la 88. C'est la 88. Maison, rendre. Normalement il y a le petit. C'est ça, quoi. T'en as 6 000 en 4 mètres ou en 5. Ah ouais, ok. 5 mètres. 5 mètres 4. 4 au niveau de la route. Ouais, ça va faire grand. 4 mètres 50, ça va faire petit dans les champs. Ou alors, je sais pas si. La transporteuse de barre de coupe. Mais c'est chiant, ça va être une galère. Ça doit être la merde, ouais. Ouais, ça va être la merde. Là, pour les routes, ça va être la merde. On prend la 4 mètres. 4 mètres. De toute façon, les champs, ils sont pas. Non, les champs sont pas grands. 4 mètres 5, ouais. On va faire ça. Tac. Et bon, nickel. Bah, du coup, on va avancer 24 heures de plus. De toute façon, on n'a pas de vente, on n'a rien. On est à 70 000. Pff, dormir. Janvier. On va avancer vite, là. On pourra presque refaucher derrière. Incroyable. Et salut Lambella, salut. J'ai tout changé, ça marche pas. C'est bon, je suis juste trop bête. J'avais un mode en trop. Merci beaucoup, bonne soirée. Bah pas de soucis. Canon. Merci beaucoup. Ciao ciao. Ça neige. C'est bien la neige. On va faire du foin sous la neige. C'est RP. Regarde les missions. Non mais les missions sont buggées. Il est pas encore prêt le 37 d'ailleurs. Il manque encore 24 heures. Il manque encore 24 heures. Putain, on aurait pu presque repréparer le champ et dire d'avancer le truc. Fais chier. Du coup, attends, je vais regarder les promotions. On aura peut-être un tracteur. Non, on n'a pas de tracteur. Ah, par contre, on a une transporteuse de barre de coupe, quoi. Lol. Ouais, mais elle est trop grande. Mais elle est grande, elle est énorme. Merci beaucoup pour le follow. Là. Merci énormément. Passe entre les gens. Voilà, ça va la jouer comme ça. Du coup, j'ai pas pris les pendeurs à chaud. Bon, j'ai économisé 18 000. En haut, Julien, c'est bon, tu t'en sors. Tu me dis quand t'es plein, oui. on ira vendre la remorque. Ah, ça a commencé à dégager là. Ouais. Non, les missions, moi, pour moi, elles sont buggées. Donc, je sais pas si toi, ça fait pareil. Buggé. Ouais, c'est buggé, ouais. Ouais, mais c'est la save, ça. C'est sûr. Je suis sûr que c'est la save, vu que j'avais des missions sur VIP. Ça a dû garder le fichier, tu sais. Ah. Et le foin n'est pas encore prêt. Ok, le foin est en train de repousser. Ok. Salut Alex. Salut ZXCO. Salut, j'ai un petit problème. Les graphismes de mon jeu sont un peu flous, pas beaux, c'est normal. T'es sur quoi? Console? PC? Si t'es sur Xbox One, c'est normal. PS4? Ah, malheureusement, tu pourras pas y changer beaucoup. PC? Ah, si t'es sur PC, il faut augmenter la qualité. Après, ça dépend de la configuration que t'as. T'as peut-être une petite config et du coup, il te la met en automatique bas. J'ai une impression de flou. Peut-être le DLS qui est peut-être trop énervé, ou je sais pas. T'as quoi comme config? T'as une config recommandée pour farming? Regarde tes paramètres graphiques et essaye de changer. Tu vas voir, mais j'ai un bon PC. Ah bah, si t'as un bon PC, alors mets-toi directement en médium, voire ultra sur farming, direct. Dans les paramètres graphiques. Normalement, ça devrait changer ton flou cinématique. Ça va être un peu ça. Ça arrive des fois. Je passe pas les vitesses. Je vais pas aller plus vite. Hein. Je vais faire les babales vite fait. Il y en a un qui veut prendre le télescopique rapide. Là, bah, je pose la batteuse dans là. Ah, j'ai pas déplié, merde. Hop, impeccable. Par contre, je crois qu'il fallait charger... pas dire des conneries. Je crois qu'il fallait charger le machin. Elle charge pas celle-là? On va voir. Oh, c'est moi ou je patine là? La neige. La neige qui me fait patiner comme ça? Étonné. Pourquoi j'ai pas le déchargement de la presse en automatique? Voilà. Voilà. Impeccable. Rentrée, ressortie. C'est la neige qui me ferait pédaler comme ça alors. C'est à chaque fois que je patine dans un champ, ça nique le champ. Il hein. Y a une gestion. Le champ qui serait prêt? Je le vois jaune. Tu le vois jaune? Bah moi je le voyais pas prêt à... Je le vois vert moi. Ah non, en cours de... Il est pas con. Ouais, je le vois vert. Bon, je la fous. 99, 100, impeccable. Ça, c'est dit télesco. Ouais, c'est de l'herbe. Ouais, c'est pas du foin, c'est de l'herbe. C'est pour les moutons. Ouais, télesco, ouais. Télesco, et malheureusement, j'ai pas de plateau. Et vu que la benne, elle est occupée, ouais, la... Ah, dans quel... La brocha, elle est occupée. Je suis dans le 40. Tu vas pouvoir la prendre pour faire un voyage. Ok. Regarde où on le vend au plus cher. On fait de l'herbe sous la neige. Vachement normal. Tout à fait normal. Salut, tu fais quoi patron? Des bottes de neige? C'est ça. J'ai fait des bottes de neige. Eh oui, parce qu'on a désactivé le mode saison. Donc du coup, en désactivant le mode saison, bah on a la neige quand même mois de février, mais on fait des balles d'herbe en plein mois de février, voilà. On avait oublié de botter, tu sais. À la Syrie? Ouais. Ok. Eh ben, bouge pas, j'arrive. C'est pareil, on pourra faire les arbres du champ 40, là. Pour aller dégommer un peu, si ça nous permet d'apporter plus d'argent. Là, malheureusement, vu qu'on n'a qu'un tracteur, ça va être un chou chiant. Je vais attendre qu'il y a des charges. Voilà, elle est déchargée. Tac, je vais aller chercher la remorque. La Syrie, elle est à côté.
Elle est en multijoueur VG, si tu veux venir éclater un peu avec nous là. On l'a ouvert en communauté là, ça va pas être dégueulasse. Pas de piquer des hannetons. La série elle est du côté du champ 50. Côté du champ 50. Ok, il faut que j'y regarde. Hop là. Ou un petit soda pour presser. Someka. Ah, un petit Someka pour presser. C'est vrai que ce serait pas con. Oui. Là il faut que tu prennes entre le champ 30 et le champ 29. Monter le champ, ouais. Et après, tu retournes. Ok. Ok, alors attends, bouge pas. On va aller faire ça, fermer les portes arrière. Normalement, en espérant que le bois reste dans la benne. Bah j'espère aussi. Tout ça aux moutons, ça. Ouais mais là pour l'instant j'ai pas les moutons, donc les, tu les poses sous le hangar. Sous le hangar à la ferme. Voilà, j'ai fait accrocher le poteau. Hop là. Pas rejoindre à cause du mode Agipack. Et ben l'Agipack il est gratuit, t'as juste à le télécharger, c'est un DLC gratuit. Tu le télécharges et normalement y a pas de souci. C'est un DLC gratos. Regarde sur Epic Games si dans les DLC tu le trouves pas. Oh là là. Attends, je me remets en vue d'intérieur parce que là ça me perturbe d'être en vue extérieure. Je suis perdu. Voilà. Bon. Le staff sera partagé. Ah pourquoi pas. Et là je vais dodo. On est à 3h45. Ouais non mais pas de soucis VG. De toute façon là elle est passée en communautaire et puis on va essayer d'y jouer un peu là. De toute façon il n'y a pas beaucoup de matériel. Il y a beaucoup de bois, bricole de bois à faire. Ouais y a rien, c'est pas vrai, ça force pas. Ça patine, c'est la neige. J'ai pas regardé où il était, vas-y dis-moi, guide-moi, fais mon GPS Julien. Faut que je tourne à droite là, alors... c'est ça. Non, là t'as pas pris le... Pas pris la bonne route. Elle est où la Siri, derrière moi alors? Non, vas-y, continue tout droit. C'est bon. Continue tout droit, ok, alors je continue tout droit. C'est parti. J'espère que les bouts de bois restent dedans. Ça a pas l'air de trop bouger. Pour une fois qu'en multi ça bouge pas trop. Non, ils ont stabilisé leur serveur. Hein. Ouais. Ouais, bien sûr. Ils ont fait des corrections de bugs aussi. Qui ont généré d'autres bugs, mais ils ont fait des corrections. Allez, roule. Tu me guides, hein. Sinon, moi, je fais le tour de la carte, hein. Non, t'inquiète. La prochaine, tu tournes. À gauche. Ok. Donc, clignotant à gauche. Et on tourne à gauche. Bien dit gauche. Hop là, impeccable. Maintenant, toujours tout droit. Toujours tout droit. Ah ben, impeccable. J'ai une barrière devant moi, on fait comment? On la défonce. Voilà, viens m'ouvrir la porte. Ah, merci chef. Ah, je peux pas rentrer chef. Il y a comme qui dirait une barrière. Oh non. C'est quoi cette arnaque? C'est quoi cette arnaque? Ils ont mis un grillage à la Siri. Oh, c'est quoi ce truc là? Regardez, je peux pas rentrer. Mais lol quoi. Il y a un autre point de vente non? Non, c'est le seul. C'est le seul point de vente et on peut pas rentrer? Non. Oh, sérieux? Et je peux passer nulle part, je parie. Bah ouais, je peux passer nulle part, il y a des barrières partout. C'est quoi ce délire là qu'il y a des barrières sur la campagne là? Oh, attends. Non, ouais, je peux passer nulle part. Tu vas pas me dire qu'il faut acheter tout le secteur Il faut acheter la Siri pour pouvoir vendre dans la Siri? Sérieux? C'est chaud quand même, non? Pas le secteur de la Siri Bon, on peut essayer, mais... Tout le contour. Tout le contour. Il y a 15 millions, le contour. Non, mais je pense pas. Je pense vraiment pas. Non, non, parce qu'elle est vraiment de... Ah si, il est dedans. Ah, c'est possible. Ouais, je pense que le grillage a bug, ouais. C'est con parce que la porte marchait bien, mais... Ouais. Allo Houston, on peut pas passer pour le bois, là. Fais chier. Schizo, faut que tu passes par Giant pour enlever le... Ouais, bah oui, je sais, faut que je passe par Giant. Mais fais chier les problèmes, là. Il y en a quand même beaucoup sur la campagne bretonne, des problèmes, là. Ça fait un peu chier. Parce que là, j'ai pas d'autres points de vente. Point de vente. Bonsoir, Juju. Salut, Juju. Le bois. Ah putain, non, il y a que la Siri, vraiment. Oh. Le copeau de bois, je suppose que c'est la Siri aussi. Ah non, il n'y a pas de point de vente. Ok, ok, ok. Bah, on est un chouï niqué. Allez, go décharger la main. Ouais, ouais, c'est une solution. Go décharger la main. Farco. T'es chier. Je te laisse la benne, tu décharges la main. Je vais te laisser la benne, hein, tant pis. À ajouter. Mais ça va nous faire chier pour la suite, là. Parce que moi, j'avais une petite idée avec le bois. Ou alors. T'as pas un truc qui... Oh non, non, oui. J'ai pris biomasse. Non, bah, je regarde dans le point de vente, j'ai que... J'ai pris biomasse, qui prendrait du bois, et... Bah, pourquoi je l'ai pas en point de vente, moi? Moi, ça marque aucun point de vente disponible pour le copeau de bois. Ah, c'est pété, Akali. Qu'à le dire, voilà, c'est ouais, pété. C'est bien pété, dans là. Dans le menu production. Ah, dans le menu production, tu veux poser, toi, un point de vente. Ah, s'il faut poser tous les points de vente, on est dans la merde, quoi. Point de vente. 40. Ouais, 40K. Ouais. Il faudrait le terrain avec, quoi. C'est chaud. C'est chaud. Sinon, on a une option.
On dit à YouTube, bah écoutez les gars, on va se laisser là. C'était le dernier épisode. Je suis désolé, mais du coup en communautaire, je préfère avoir une carte tranquille. Et on va pouvoir jouer tous ensemble correctement. On va la choisir là avec Twitch. Et on va repartir sur des basses scènes parce que la campagne bretonne, elle est quand même assez énervante en gameplay et tout ça. Et vu que, de toute façon, le passage de save, ça a mis les missions buggées et tout ça, autant qu'on choisisse une nouvelle carte et qu'on parte. Vous en pensez les gars en vocal? Et le chat là? Ce serait pas mieux qu'on reparte clean du coup là? Ou qu'on se fait chier? Vu qu'il y avait une égalité sur le sondage, j'ai voulu tester, ça a pas marché, on repart en clean avec la communauté sur une nouvelle carrière, ce sera pas dégueulasse. A voulu un peu plus. Et là, elle marche plus. On va faire comme ça. YouTube, on va se laisser là. Ciao, bonsoir, des bisous. Et du coup, bah ça doit être le dernier épisode de la série. Voilà, je suis désolé. Des bisous, ça va t'arrêter Flash, c'est pas grave, il y en a une nouvelle qui va s'ouvrir. Avec la communauté, ça serait pas mal. On va repartir de zéro, ouais, ça va être... Des bisous, ciao. Je suis streamer agricole, je suis streamer agricole.